à cette occasion. Tout d'abord, nous allons procéder à la rentrée des témoins. Au nom de Yvonne Jérôme et Jean Sonnel, estimé. Ils s'avancent et ils sont très beaux. Ils vont aujourd'hui juste à l'honneur des mariés. We'll be right back.
soit dans cette enceinte pour unir dans le lien du mariage Monsieur Dickens et Madame Olivia Adam. Je veux vous rappeler que le mariage, c'est une étape honorable et ça a été institué par Dieu dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que personne ne doit contracter mariage sans avoir de la discrétion, de la tempérance et juste pour prendre cet engagement à la légère. Car ce n'est pas un engagement qu'on doit prendre à la légère. Voilà pourquoi c'est deux personnes ici présentes qui veulent se marier ont besoin non seulement de l'approbation de Dieu, mais aussi du support de vous. Et si quelqu'un d'entre vous connaît qu'il y a un empêchement à ce qu'elles soient légitimement mariées ensemble, eh bien, je vous prie de les déclarer maintenant, sinon à l'avenir, vous serez obligé de vous taire à jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Assemblée qui connaît un empêchement à ce que c'est M. Noël Saint de prenne pour épouse Mme Livia ce soir, de les déclarer maintenant? Est-ce que bon monde qui connaît monde ça n'est pas capable de marier pour une raison quelconque? Demandez-vous pour lever main hein, maintenant. Donc, puisque aucune opposition n'a été signalée, je vais demander d'abord à Frère Dickens, est-ce que tu es encore, je dirais, tu veux encore avoir Sœur Livia pour épouse? Oui. Olivia, est-ce qu'il y a un empêchement à ce que M. Dickens devienne ton époux ce soir? Aucun empêchement. Amen. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous allons entonner le numéro 23 en français du recueil des chants d'espérance. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Et par la suite, c'est Pasteur qui va en prier pour nous avant que Diacre Odigé fasse la lecture de la parole de Dieu. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de là.
prier. Seigneur, nous disons merci pour le moment ça n'a passé dans la présence. Je dis à c'est un grand jour pour Frère Dukens et Sœur Livia. C'est vous qui avez consacré le mariage. Seigneur, nous disons merci, Papa, pour la vie pour nous. Nous disons merci pour le souffle de vie pour nous. Nous connaissons dans le mariage, ce n'est pas facile. Mais sans aide, Papa, il n'y a pas privé. Et Seigneur, nous connaissons après le mariage, toujours, adversaire toujours là pour craser foyer. Et Seigneur, nous demandons pour que mes frères Dickens et madame ni dans la prière, Papa. Papa, la guerre au Seigneur. Et pitié de vous, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous connaissons, ce n'est pas facile, Seigneur, la vie. Dans le foyer, tout le temps, il y a une discussion. Et nous connaissons, Papa, Frère Maxime, qui l'a, qui marié déjà, nous connaissons comment foyer au bagaille. Seigneur, nous connaissons, Papa, Frère Maxime, nous demandons aide de la prière pour monsieur et madame marié qui a marié aujourd'hui. Et Seigneur, nous connaissons, Papa, sans présence où nous pas faire en rien. Sans présence où nous pas gagner la vie, Seigneur. Et nous demandons, Papa, aie pitié de nous, Papa, par pouvoir Jésus-Christ, grand frère, nous qui a prié dans le ciel là, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à nos tentations. Merci, Père, et bienvenue tout à l'heure, parce que ta foi est entière, le règne aboutisse la paix au ciel. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Et nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu dans les livres des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22 au verset 33. Et ce sont là des paroles de Constance par rapport au devoir domestique. Et je lis pour vous. Éphésiens chapitre 5, verset 22, verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que Dieu ait béni cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Nous allons procéder à la rentrée des filles douleurs.
maintenant au groupe des dames de l'église de Dieu Sainte-Cité dans un morceau. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons procéder aux échanges qui se fera par révérend pasteur Oufet Pascal. Je suis vos applaudissements et il s'avance. Chers bien-aimés, nous sommes en présence des dieux de cette assemblée pour unir ensemble Monsieur Dickens Noël-Saint et Madame Olivia Adam dans le seul état du mariage qui est un état honorable des dieux. Créé depuis la création pour la bénédiction des hommes, protégé par la loi de Moïse, affirmé par les paroles des prophètes et sanctifié par l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'union intime constante du mariage, à laquelle un homme et une femme abandonnent toute norme pour accepter sa femme seule ou bien son mari seul. Donc,
montre, ça illustre la cette relation qui existe entre l'Église et Christ. C'est pourquoi on ne doit pas contacter un tel mariage imprudemment et légèrement. On ne peut pas contacter tel mariage imprudemment et légèrement. Je vous demande une chose. Non, juste les frères. Mais il faut apporter la révérence, la discrétion et la crainte. La révérence. C'est quoi ça? Tout l'honneur au mariage. La discrétion. Il faut penser bien, c'est quoi le mariage? Vous êtes totalement sous la crainte de Dieu. Frère Dickens, frère Saint, frère Adam, Livia, je vous agis pendant que nous sommes des noms en présence de Dieu. Nous rappelons que le seul fondement héritier et durable du mariage, c'est l'amour et la fidélité. Le seul fondement du mariage, c'est l'amour et la fidélité. Donc l'apôtre Paul, votre instructeur, quand il est écrit, la charité, ou bien l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante point. L'amour ne cherche point son propre intérêt. L'amour ne réjouit jamais de l'injustice de l'autre. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. C'est dit, l'amour supporte tout. Je vous demande de réfléchir sur ce mot-là. L'amour supporte tout. Si vous savez ces choses, la bénédiction de Dieu reposera sur vous. C'est Adam. Est-ce qu'on voulait c'est Adam ou madame? Regarde, regarde les dents. Il y a toi. Moi, je vais faire la Bible, ma terre. L'homme de la patrie là, m'a demandé si ton j'ai identifié qu'à la terre là. Par contre, je te vois le conseil. Mais vous connaissez pas peut-être que ça vient d'aller. Vous connaissez en lettre, il dit ça va aller pas fait qui vous le monde avant. Est-ce que vous avez besoin? Sœur Adam, est-ce que vous voulez Frère Dickens ou Marie? Et est-ce que vous voulez l'homme de la santé, l'homme de toute la vie à partir de vous? Et est-ce que vous voulez aussi l'homme de la va dégénérer? Si la vie dégénère, est-ce que vous voulez? Benken, maintenant vous sentez du temps. Vous pouvez laisser à Dieu la première au milieu de temps, au milieu de temps. Et ça qui reste le mariage, c'est parce que Marie a donné le milieu de temps. Donc il y a l'argent. On va garder la chute. Comment dire à pas salé dans le cahier? Comment dire à salé par les gens encore? Bien, on est qu'à privé, grand monde met le pied. Comment se mettre dedans? On dit à pas salé. Est-ce qu'on va faire le même? La vie. Donc,
Laisse un appel au Saint-Président. Faut-il parler avec madame? Dites qu'ils sont pris. Je vais assembler. Parce que nous pas appeler, c'est nous-mêmes, pasteur qui crée, dit où, et puis où je vous dis, c'est pasteur qui nous dit. Là, nous voulons parler avec madame, là, pas devant l'assemblée, et pas devant le Saint-Esprit. Pour être capable. Avancez, il y en a avancé sous l'autre. Ouais, du gloire, du gloire. Bon, t'as pas passé toutes les vignes avec lui. Non, c'est pas avec lui, pas avec lui. C'est avec moi, pas. C'est pas là, assemblée à part. Assemblée à part. Ou quoi, non, on va répéter non, ou dit non. Bon, t'as un. Nous dois dire chérie, oui. Passé tout le moment avec lui. Avec lui, avec Célivia. Ni dans, avec madame moi, ni dans mon temps, ni dans mauvais temps. Pour la vie. On ne sait pas qui c'est par nous, c'est qui c'est là-bas. Faut qu'il retourne dans toute salle là, parce qu'on a plus belle lumière là. Faut qu'il retourne. Gardez bien, on vous dit ça encore. Ils ont oublié la réduction. D'ailleurs, on a passé très vite avec lui pour nous faire vivre ensemble, pour mourir ensemble. C'est Livia qui sont en dedans. Là, il nous faut causer avec Adam qui sont venus. Là, il est le jour, et puis la personne qui m'a donné. Mais je le dis officiellement. Adam, est-ce que c'est le est-ce que vous voulez Célivia pour madame? Oui, je le veux. Pour vivre avec lui comme toute la Bible m'a dit. Oui. Est-ce que vous êtes chérie? Oui, ma chérie. Est-ce que vous êtes même? Ma même. Est-ce que vous êtes même? Adoré. Est-ce que vous voulez attacher à l'une seule juste lorsque la mort va séparer nous ou bien l'autre? Oui. Est-ce que madame Livia, c'est lui-même, est-ce que vous voulez frère des gains pour Marie jusqu'à ce que la mort se pare nous? Oui, je le veux. Est-ce qu'il y a un monde là qui parent, c'est Livia ou bien Paul Fli, ou bien frère du 15, qui voulait présenter pour mettre nous mounsayou? Il est vrai, nous avons petit, mais. Je te fais dehors, volonté, mon Dieu, est-ce que nous voulons pour nous? Qui est-ce qui a baillé madame Livia pour Pastéa Rivetri by Frère Loisin? D'accord. Est-ce qu'il y a un monde responsable, frère? De quel cela pour supporter Maria et le conseil jusqu'à ce que Christ vienne. Comme vous avez déjà dit tout le monde, on a souhaité que pour réellement. C'est pas bon. Non, mais tu as bien le temps. Problème, on va aller. Dieu,
Où est-ce qu'il y a d'autres? Madame Lydia. Madame Lydia. Avec Alossa. Avec Alossa. Seigneur, nous te merci parce que Frère Duquesne et Sœur Livia pour aller recevoir nos anneaux, Seigneur. Qui se symbole à Mouyo et qui se symbole fidélité, Youn pour le manifester envers l'autre. Nous bénis à nos saillots au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant parce qu'il a fait ça, nous on a fait ça. Nous sommes les Kaldam. Kaldam. Marions ensemble. Oh non, je ne vais pas vous marier. Ça, les Kaldam. Avec Kaïda Moussa, on a demandé tout l'autre monde là, et puis on pensait à ça. Si nous t'avons demandé Frère 15, essayez de mettre ça sous tête. Ou. Non, vous faites. On a demandé Sœur Livia pour faire même bagaille. Avec Kaïda Moussa, c'est le support dans le mariage. Avec Kaïda Moussa, comme ça a été déjà récité tantôt là, dans Ephésiens 5, le mariage, nous devenons un seul. Pour qui ça nous obligeait avant, pasteur Bourbade, ça, mais si vous promettez là, c'est parce que dans le mariage, il y a le problème familial. C'est un problème petit, c'est un problème madame. Ça problème maman, mais pour nous soulever, nous avons un cali d'amour. Le problème nous règle pour ne pas quitter Madame Livia à terre ou courir. Le problème nous règle parce que c'est notre famille Frère Livia, pour ne pas quitter Dickens, pour quitter le courir. Mais pour réfléchir, nous avons construit un cali d'amour. Avec ce cali-là, nous pouvons rentrer sous ce cali pour supporter les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la famille, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le monde, les difficultés qu'on pouvez rencontrer dans Widi. Yes? C'est pas chaque Widi, et puis bon, quittez ça. Non, il y a un cadre d'amour qui est là pour nous conserver, afin que le mariage soit réellement mariage chrétien, mariage chrétien, qu'il ne soit jamais séparé. Seulement dans la, dans l'amour. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le tout est vivable. Yeah.
J'étais pour. Avec cet anneau. Je t'ai communiqué. Tout m'est bien temporaire. Au nom du Père. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Hein? Toute sale gagne tout pour. Pas à faire, mon bon calme de la Moi aussi. Je te donne. Cet anneau. Au vœu. Que nous avons fait. Et notre cœur soit resté attaché. Au nom du Père, au Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Pas en doute. Grâce, on fait du monde sans pas de volonté, bon Dieu. Il nous connaît, bon Dieu, pas qu'à mettre grâce sous grâce. Pendant que nous-mêmes nous approchons, bon Dieu, pressé tout pour nous délivrer. C'est pour ça que nous avons dit, serviteur qui est en contact avec mon Dieu, viens demander, bon Dieu, pardon pour vous et demander, bon Dieu, la réconciliation totale au nom de Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, merci Père, parce que dans ton amour tu l'as voulu ainsi, Seigneur, créer ce jour pour Frère Dickens et pour sa femme sur Olivia, Seigneur. Oui, peu importe la façon qu'ils ont commencé, ils ont entré dans cette vie. Les périodes d'égarement, Seigneur. Nous avons tous péché, Seigneur. Mais nous sommes tous gratuitement justifiés par le sang de Jésus. Et maintenant, ce groupe reçoit le pardon de Dieu dans le nom de Jésus. Et que leur cœur soit lié ensemble. Et que leur avenir soit lié ensemble dans le nom de Jésus. Continue de déverser ta grâce, ta bénédiction sur ton serviteur. N'a pas passé à la signature de Jacques. Bien-aimés, chers amis, alors, puisque Père Dickens et Sœur Livia se sont finalement dit oui ce soir, n'est-ce pas vrai? Et à cet effet, devant vous, ils ont donné et ils ont reçu un anneau qui est le symbole de leur amour et de leur fidélité.
Nous, par l'autorité qui nous est conférée par la loi de ce pays, mais d'abord par le ciel, nous déclarons qu'ils sont dès à présent mari et femme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a eu. Amen. Applaudissez-les, chers amis. Mais pour cette fois-ci, nous demandons faire du temps pour tout bel monde savoir qui là, si vous nous avez gardé. Et même, embrassez madame, vous dites, quand même. Du mariage, mais parce que vous faites à beaucoup parler, n'est-ce pas, oui? Vous êtes d'accord avec moi? Et je pense que le couple a reçu pas mal de conseils pendant qu'il parlait. Et également, le chef de la cérémonie avait adressé quelques mots. Maintenant, je veux tout simplement vous rappeler pourquoi on se marie. Amen. Pourquoi on se marie? Ce que j'appelle une triple raison pour laquelle on se marie. D'abord, je veux vous rappeler que la Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé d'abord l'homme. Dieu a créé l'homme. Il a fait l'homme de la terre, de la poussière de la terre. Et ensuite, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et par la suite, l'Éternel a fait venir tous les animaux devant l'homme pour que l'homme puisse nommer ses animaux. Et c'est l'homme qui a appelé le chien-chien, qui a appelé la chat-chat, et c'était la souris-souris, ravette-ravette. Et finalement, l'homme a regardé que tous les animaux qui étaient passés devant lui étaient probablement pères. À chaque chien, il y avait une chienne. Oh mon Dieu. À chaque chat. À chaque chat, il y avait une chatte. Alors on dit chacun à sa chatte, n'est-ce pas vrai? Mais la Bible dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et ça l'a attristé. Parce que chaque monde était bon compagne. Mais lui, il était seul. Il n'avait personne à qui communiquer, à qui parler. Chers amis, vous qui êtes ici, c'est dur d'être dans une maison seule, d'habiter dans un studio, n'est-ce pas vrai? Seul. Quand tu ouvres la porte comme ce jeune garçon et qu'il n'y a personne qui te dit salut. Ça, c'est grave. Moi, je vous dis salut, les gars. N'est-ce pas vrai? Vous êtes seul à la maison. Vous allez travailler lorsque vous revenez. Il n'y a personne pour vous recevoir. C'est dur, pas ça. Pas bon monde qui a fonti tes peaux. C'est dur. Pas bon monde qui a tapé sur l'épaule pour te dire bon courage. Ça, c'est dur. Vivre seul, c'est une vie vraiment misérable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein?
Ouais, frère. Et le pire, c'est que dans ce pays-là, au Québec, la vivre seul, c'est vraiment dur. Vous n'allez pas réussir votre vie ici au Canada si vous voulez vivre seul. Faisons un petit calcul. Bon, vous allez vous acheter un bacon et spaghetti. Et puis vous vivre pour compter. Vous faites un bon spaghetti. N'est-ce pas vrai? À confinement, j'ai le premier plat là, sacrifié. Spaghetti à Vindy, ça oblige de faire. Où j'étais? C'est dur, dur d'être seul, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit que l'homme trouva que c'était dur. Et l'Éternel lui-même le savait. Et pour consoler l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une corde qui a d'abord endormi l'homme. Et par la suite, pendant son sommeil, Dieu a pris une côte du côté de l'homme et pour en faire une femme. Et cette femme, l'Éternel l'a amenée vers l'homme. Et la Bible le poursuit. L'homme a dit, voici sept fois. Il faut souligner sept fois. Yes. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je l'appellerai comment? Femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Je veux vous rappeler que la femme n'a pas été prise de la tête de l'homme, d'un os tiré de la tête de l'homme. Si la femme a été tirée de la tête de l'homme, cela veut dire que la femme serait appelée de piétiner l'homme, n'est-ce pas vrai? Autant de saluer. Bon Dieu, pas de prendre haut, non, tête l'homme, non. Ou pas de marcher sous ma haut, n'est-ce pas vrai? De même, la femme n'a pas été tirée de du pied, n'est-ce pas vrai? Si tel était le cas, frère Dickens, ou t'as marché sous ma dame. Mais l'os a été tiré du côté de l'homme. N'est-ce pas vrai? Donc on est fait pour être l'un à côté de l'autre. Mon frère, Dieu vous a donné une aide. Quelqu'un qui vous est semblable. Nous qu'à communiquer. Qui se ressemble, s'assemble. Hein? Puisque vous avez une aide, vous avez une compagne, c'est quelqu'un. C'est pas pour rien que Adam dit, voici cette fois, si celle qui est hors de mes yeux, chère de ma chair. Il était content parce qu'enfin, il avait quelqu'un à qui parler. Donc, la communication dans le mariage, c'est extrêmement vital. Je sais que mes frères, vous ne voulez pas parler. Vous dites, ah, pourquoi ça ne m'a demandé pas à Ouel comme ça? Non, des fois, on a besoin de communiquer. Amen. Besoin de sentiments, on a besoin de communiquer. Madame, vous besoin communiquer. Vous parlez de tel bagage, c'est vous dire pas même. Amen. Bon, comme nous-mêmes, nous avons besoin de communiquer déjà. Alors, pour le jeune, surtout, on avait besoin de communication. Donc, il a dit, voici celle qui est hausse de mes os, chère de ma chair. Je l'appellerai femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et l'Éternel a dit, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Trois choses qu'il faut se rappeler ce soir. C'est que la première chose, c'est qu'on se marie pour n'être jamais seul sur le chemin du salut. Première chose. On marie pour pas jamais pour compte sur le ciel. Amen. Pas jamais pour compte. Le jour que vous mariez, autant que vous faites une page blanche qui a été imprimée, quelque chose de frappé sur lui. Même si le caractère là ou pas visible n'est pas noir, eh bien il n'est pas blanche encore, il y a un caractère sur lui. L'entité qu'on appelle taper, dactylographier, nous-mêmes qui sommes en Haïti, ou pour une page blanche, mesdames, vous frappez sur les tacs, eh bien même si vous n'est pas apparaître, elle n'est pas blanche encore. Il en est de même pour le mariage. On se marie pour n'être jamais seul sur le chemin du salut. Une fois que vous êtes marié, vous n'êtes plus seul. Et même s'il faut, même lorsque vous seriez, vous auriez divorcé, non, vous êtes à pour toujours marqué. Vous me comprenez? Je vois le dire ex-femme, ex-mari, etc. Mais pour toujours, vous êtes marqué. Vous comprenez? Et je pense que c'est comment il s'appelle, hein? Est-ce que c'est Racine? Non, c'est Corneille qui a dit. Il a dit que deux cœurs unis l'un à l'autre, si je prends deux pages, je vais me couper les feuilles, petit garçon. Les gens. Et puis me coller ensemble, deux feuilles, ça y est. Corneille a dit, deux cœurs unis l'un à l'autre,
ne se retire. Si vous attachez ces deux morceaux de papier ensemble avec de la colle, qu'on a dit deux cœurs, c'est comme deux cœurs. Unis l'un à l'autre, ne se retire. Et pour les séparer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'on déchire. Ou obligé de déchirer. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un divorce, lorsqu'une femme divorce son mari, cette femme qui va remarier un autre homme, elle n'est plus une femme entière. Parce que il y a à partir de ce moment un morceau de I. Un morceau de frère Dicken, et bien Duken, c'est ça. Ah ok. Sur Livia, à partir de ce moment, a un morceau de Duken en elle. Alors si elle quitte son mari, elle va se marier au grand Jean même. Ah, j'en souhaite ça, mon petit moi. Avec Yola Ponk, au compte sa caprivé, elle va partir. Non seulement elle est Livia, et elle est Livia Duken. Ensuite, elle va se marier avec un autre homme, arrivé là-bas qui s'appelle Jacques, elle sera Livia, Dicken et Jacques. Nous, un problème qui vient de divorcer. Et des fois, elle est couchée avec Jacques, il a dit, et Dicken, finalement, Jacques. C'est pour ça qu'on a dit deux cœurs unis l'un à l'autre, ne se retire. Et pour les séparer, il faut que l'on déchire. Une fois mariés, vous ne serez plus seul sur le chemin du salut. Deuxième chose, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Si vous cherchez votre bonheur dans le mariage, vous êtes foutu. Vous êtes fait. Amen. Ne cherchez pas votre bonheur dans le mariage, cher Livia. Tout ce que tu aimerais que Frère Duken fasse pour toi, toi-même fais-le d'abord pour lui. Ma soeur, si tu sèmes l'amour, tu finiras par récolter l'amour. Tu sèmes le respect, tu vas récolter le respect. Amen. Amen. C'est comme ça la vie, on moissonne ce conseil. Ok? Et des fois, à madame, on dit, on va dire une chérie, mais on me reçoit de dire une chérie. Lorsque je regarde mon email, personne ne m'écrit, n'est-ce pas? Je regarde mon courriel. Pourquoi personne ne m'écrit, selon vous? Parce que je n'ai pas écrit à d'autres. C'est aussi facile que ça. Frère, ouvrez madame, respectons ça pour faire. Respectez madame. Sorti même, c'est lui-même, moi, pourquoi. Donc, ne recherchez pas votre bonheur dans le mariage. Recherchez de préférence le bonheur de l'autre. Si je travaille au bonheur de ma femme, finalement, moi, je vais avoir trouvé du bonheur. Amen. Amen. Et finalement, on se marie. Non seulement on se marie pour n'être jamais seul sur le chemin du salut. Deuxièmement, on se marie non pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Et troisièmement, on se marie pour représenter l'Église de Jésus-Christ sur la terre. C'est le texte que Odige vient de lire. C'est que ce mystère est grand, nous dit l'apôtre Paul. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Cela veut dire, lorsqu'un couple se divise, alors c'est l'Église de Jésus-Christ qui est divisée. Nous, en tant que couple, nous formons l'Église de Jésus-Christ en miniature, n'est-ce pas vrai? Ça prend un homme et une femme pour avoir une famille. Et ça prend une famille et des familles pour avoir une Église. Donc, s'il y a au moins une raison pour laquelle vous devez rester ensemble, des fois, j'ai le couple qui dit comme ça, « Ah, il n'y a plus d'amour, pour qui ça vous ne restez ensemble ?» Non! Vous êtes là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et vous êtes là parce que vous représentez l'Église de Jésus. Ah, nous, en plus grand monde à l'âge de 60 ans, surtout dans d'autres équipes, tu ne peux pas le citer, non. Et ça peut me dire en créole. Quand on finit par gagner ça, on connaît encore par gagner 7. Ouais, ça a apporté, vous venez, ouais, monsieur, aller dans un petit studio, et quitter madame, là, aller dans la résidence pour personnes âgées, pour porter, et puis, pas de ça encore. Non, au contraire. Amen. Oui. Au contraire. Merci. Vous êtes là pour nous, une soutenir là, jusqu'à la mort. Amen. Amen. Bon, c'est un petit coup de pied, vous avez fait, vous voyez, une lame qui est tombée là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais...
passer à la signature de l'acte, je vais le faire ici pour permettre au photographe d'avoir une meilleure vie. Merci, Master. C'est gentil de ta part. Si vous n'avez pas juste. Oh.
Père, priez de se mettre debout pour la bénédiction. Gloire à Dieu. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux versées. Il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu élèves devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moindris ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen. Salut mes amis, à toute la communauté québécoise, à toute la communauté latine. Si tu as besoin d'un bon photographe, tu peux contacter à Wilness Production. Si tu as besoin pour un mariage, pour l'accouchement, pour la fête de naissance, pour un fight, viens à Wilness Production, c'est le meilleur. Salut.